بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Comme nous avons l'habitude depuis quelques mois maintenant d'avoir dans cette mosquée, qu'Allah subhanahu wa ta'ala la préserve de tout mal, une conférence mensuelle dans laquelle sont invités divers intervenants qui traitent de divers sujets. Quant à la conférence d'aujourd'hui, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, elle sera entièrement en langue française. Étant donné qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, comme vous avez pu le lire, une conférence qui s'intitule « Conseil à mes frères du groupe Tablir ». Conseil, car c'est le devoir de tous les musulmans de se conseiller mutuellement. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wal asr ». إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Par le temps, l'être humain est en perdition, sauf ceux qui ont cru, qui ont accompli de bonnes œuvres et qui se conseillent mutuellement la vérité et qui se conseillent mutuellement la patience. De se conseiller donc mutuellement la vérité est un devoir, et c'est ce qui permet à l'être humain et aux musulmans d'être préservés de la perdition. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est lui aussi venu appuyer l'importance du conseil en islam lorsqu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam « Ad-dinu nasiha » La religion c'est le conseil. Comme il a dit « Al-hajju arafah » Il a dit « Ad-dinu nasiha » Comme il a dit que le pèlerinage c'est Arafat, de même qu'il a dit la religion c'est le conseil, c'est-à-dire que le conseil est extrêmement important, et les fruits de ce conseil apportent beaucoup de bénéfices et sont très bénéfiques. Ils ont dit, mais envers qui, ô envoyé d'Allah, envers qui devons-nous le conseil? Il a dit, à Allah, à son envoyé, au gouverneur des musulmans et à l'ensemble des musulmans. Ce sont donc des conseils que je dirige à nos frères Tablir, car ce sont nos frères. Il faut les considérer ainsi, ce sont nos frères en islam. Contrairement à ce que eux pourraient croire, que les gens de la sunna, Ahl sunna, considère toutes les sectes en islam comme étant mécréantes, cela est faux. Les gens de la sunna sont bien au contraire ceux qui s'éloignent le plus du jugement de la mécréance, car c'est un jugement extrêmement grave en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui dit à son frère « Anta kafir » tu es mécréant,
alors la mécréance englobera l'un des deux, soit l'accusateur ou soit l'accusé. Si celui que tu as accusé est bel et bien sorti de l'islam, alors la mécréance tombera sur lui. Mais si cette personne que tu as accusée de mécréante ne l'est pas, sache que la mécréance retombe sur toi, wa alayhi billah. Et comme l'a dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, Ahlu sunnati a'lamu an-nas bil haqq wa arhamuhum bil khalq. Les gens de la sunna sont ceux qui connaissent le mieux la vérité et sont ceux qui sont les plus miséricordieux envers les créatures. Et dans cette parole, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah n'a pas dit ils sont les plus miséricordieux envers les gens, mais il a dit envers les créatures, qui englobe les djinns, les êtres humains, mais aussi les animaux. C'est donc un conseil, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne sera véritablement croyant l'un d'entre vous que lorsqu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour soi-même. Comme nous aimons pour nos personnes de suivre la vérité, d'être guidés sur la voie unique, qu'a emprunté le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui nous a enseigné et montré la seule qui emmène au paradis, eh bien, comme je l'aime pour moi, je l'aime aussi pour mes frères. » Quant à Jama'at al-Tablir, comme elle est appelée, le groupe des Tablir, c'est un groupe qui a un fondateur. Ce fondateur s'appelle Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi, Adiyubandi Al-Dahlawi. Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi, c'est-à-dire qu'il est originaire d'une ville appelée Kandahla. Adiyubandi, c'est-à-dire qu'il est issu de l'école Adiyuband, qui est une école en Inde, qui a été instituée en 1867. Et ses fondateurs prétendent que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a institué ou qui l'a instauré. Ils disent que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a instauré cette école. Et ils disent aussi que de temps en temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons viennent à cette école pour vérifier les comptes. Wal'iyadu billah. C'est un manque de respect immense envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam de réduire le prophète sallallahu alayhi wa sallam à un simple comptable. Et le prophète alayhi salatu wa sallam, comme vous le savez tous, est mort alayhi salatu wa sallam. Il est enterré dans sa tombe et c'est le seul envoyé et le seul prophète dont nous connaissons avec certitude l'endroit dans lequel il a été enterré. Et c'est une école qui se base sur le madhhab Hanafi et qui a une aqida, une croyance qui est appelée al-aqidatul maturidiyah. Et cette croyance, al-aqidatul maturidiyah, est issue de son fondateur également, al-maturidi. Et parmi leurs croyances, ils disent que la foi, où la foi réside uniquement dans le cœur. Les actes et les paroles ne font pas partie de la foi. Ils disent que la foi n'augmente pas et elle ne diminue pas. Que la foi du pire des musulmans est égale à celle de Jibril alayhi salam. Et ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas instauré au-dessus de son trône. Assalamu alaikum. Quant à Muhammad Ilyas, rahimahullah, wa ghafarallahu lana wa lahu, qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'il nous pardonne ainsi qu'à lui, il était connu pour suivre le soufisme. Et il n'était pas connu comme étant une personne de science. Il était connu uniquement pour avoir une motivation dans la transmission
et dans le prêche de l'islam. Il suivait le soufisme et a prêté allégeance à quatre de ses confréries, Al-Jishtiyya, Wal-Naqshbandiyya, Wal-Qadiriyya, Wal-Sahrawardiyya. Ce sont quatre confréries soufis qui sont chacune plus égarées que les autres. Wal-Iyadu Billah. Et Inch'Allah Ta'ala, si Allah nous le permet, on essaiera dans de prochaines conférences d'expliquer ce qu'est le soufisme et de montrer également la vérité au grand jour à tous les musulmans pour qu'ils connaissent la réalité du soufisme et ce que le soufisme comporte comme adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme abus, comme exagération sur les personnes et comme innovation à l'ayadu billah. Il a prêté allégeance à son cheikh Ahmed Al-Kankouri sur ses quatre confréries ou ses quatre branches du soufisme. Et lorsque son maître est décédé, avant de décéder, il lui a donné le pouvoir que les gens viennent lui prêter allégeance. Et Ahmed et Mohamed Ilyas allaient souvent se recueillir auprès de la tombe de Al-Kankouri pour faire ce que les soufis appellent Al-Muraqabah, c'est-à-dire de se remettre en cause. Et chacune des différentes parties du soufisme ont des façons différentes de faire ce qu'ils appellent Al-Muraqabah. Al-Jashtiyya, par exemple, disent qu'il faut aller à côté de la tombe du maître, de se couvrir la tête et pendant au moins une demi-heure de dire Allahu Hadiri, Allahu Nadiri, Allahu Hadiri, Allahu Nadiri. Allah est avec moi et Allah me voit. De dire ainsi pendant une demi-heure, il conseille, entre autres, de faire cette séance pendant au moins une fois par semaine. Et ceci est très grave. Le fait de considérer que les morts peuvent avoir une influence, et les gens de la Sunna savent tous que les morts ne peuvent ni t'apporter un bien, ni te préserver d'un mal. Son fondateur est donc Mohamed Ilyas. Comment a-t-il fondé ce mouvement appelé maintenant At-Tablir? Il le dit lui-même, comment l'idée lui est venue. Il dit que dans un rêve, il a découvert la façon de faire le Tablir. Et il a senti qu'on lui a insufflé dans son cœur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, « Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ». Vous êtes la meilleure des communautés qui est sortie aux gens, si on traduit textuellement. Et il dit que également ce qui lui a été insufflé, c'est que tu as été envoyé aux gens de la même façon que les prophètes et envoyés. Et il dit, pour terminer son argumentation, que le fait qu'Allah Azzawajal ait dit dans le Coran « Ukhrijat linnas » qui est sorti pour les gens, cela signifie que l'islam doit être en perpétuel mouvement, à savoir qu'il faut toujours que les gens sortent, qu'ils bougent. Alors que le sens de « Ukhrijat linnas », comme le disent les exégèses du Coran ou les exégètes du Coran, Ukhrijat linnas ay udhhirat linnas. C'est-à-dire que vous êtes la meilleure des communautés qui a été surgie ou qui est apparue
chez les êtres humains. On voit donc que ce groupe, Jama'atut Tabligh, a été institué ou a été créé à travers un rêve. À travers un rêve, et il faut savoir qu'à l'unanimité des savants, comme le dit Al-Qadi Iyad, bi-ijma' al-ulama, que les rêves, on ne doit pas en déduire des jugements juridiques. Il est interdit en islam, à l'unanimité des savants, de déduire d'un rêve un jugement juridique. Si tu as une question que tu te poses, par exemple, et que dans ton rêve tu vois que tu as fait une chose qui répond à ta question, sache qu'il ne faut pas prendre en compte ce rêve. Mais les rêves sont des bonnes annonces, annoncent des bonnes nouvelles. Et comme l'a dit le prophète sallam, le rêve vertueux est une partie de la prophétie. Que le rêve vertueux est une partie de la prophétie. Et il dit aussi, Mohamed Ilyas, il dit, j'ai été ordonné, lorsque j'étais à Médine, pendant, après le Hajj, de l'année 1926, j'ai été ordonné de prendre en charge la transmission et le prêche. Et il m'a été dit, nous allons t'utiliser, nous allons faire de toi notre outil de travail. Et il dit, et je suis resté, après avoir ressenti ça, ou après avoir entendu ces paroles, j'ai ressenti de l'énervement, j'ai ressenti un malaise. Comment une personne aussi faible que moi peut accomplir une tâche aussi difficile? Il est alors parti chez son cheikh Al-Kankouhi, qui, lorsqu'il lui a raconté cela, a frissonné. Et il a dit, ce sont des émanations de la prophétie qui ont atteint ton cœur. Et ce que tu ressens, cette gêne et ce malaise que tu ressens, est semblable à ce que ressentait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque la révélation descendait sur lui. Et il t'a été dit que nous allons t'utiliser pour faire le même travail que les prophètes aient envoyé. Wal'iyadu billah. Regardez quels sont les fondements de ce groupe. Et le conseil que je dirige à mes frères Tablir, c'est de savoir et de connaître les fondements du groupe qu'ils suivent. Car ce qui est basé sur quelque chose de nul est nul. Ma bunya ala fasid fahwa fasid. Et si tu veux juger un mouvement, ne juge pas ce mouvement à travers certains de ses partisans, mais il faut que ton jugement soit fondé sur le fondateur de ce mouvement et sur ses bases. Et sur ses bases. Car si l'on juge une chose à travers ceux qui suivent cette chose, c'est une grave erreur. Car cela reviendrait à dire, par exemple, qu'on pourrait critiquer l'islam juste en critiquant et en jugeant les actes des musulmans. Et combien de personnes ont dit, je remercie Allah d'avoir connu l'islam avant les musulmans. L'islam, ses fondements sont saints. Et c'est une religion qui a été légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala. Si les musulmans font des erreurs, si les musulmans font des péchés et désobéissent à Allah, cela ne remettra jamais en cause la véracité de l'islam, et que c'est la religion la seule qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte.
après avoir pris connaissance de comment est-ce que ce groupe a été fondé, on peut en déduire des choses très simples, mais qui sont à la fois importantes. On peut en déduire déjà qu'Abu Bakr radiallahu anhu ne faisait pas partie du groupe des Tablir. On en déduit aussi que les 10 promis au paradis ne font pas partie de Jama'at al-Tablir. On en déduit aussi que les Tabi'in, Saïd ibn al-Musayyab, wa Saïd ibn Jubayr, wa Muhammad Sirin, les grands parmi les Tabi'in ne faisaient pas partie de Jama'at al-Tablir. On en déduit aussi que Al-Bukhari et Muslim, ainsi que les autres auteurs des 6 livres des Sunan ne font pas partie de Jama'at al-Tablir. On en déduit aussi que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et que son élève ibn al-Qayyim, ainsi que l'imam ibn Kathir, ainsi que l'imam al-Shawkani, ainsi que l'imam al-Sam'ani, ainsi que l'imam al-Nawawi, les grands savants de l'islam, ne faisaient pas partie de Jama'at al-Tablir, car Jama'at al-Tablir a été fondée bien après. Elle a été fondée dans notre siècle. On en déduit donc que les savants, nos ancêtres pieux qui nous ont précédés, ne font pas partie de Jama'at al-Tablir. Mais on peut aussi dire que nos savants contemporains ne font pas partie de Jama'at al-Tablir. Al-Sheikh ibn Baz, al-Sheikh al-Albani, al-Sheikh ibn Uthaymin, al-Sheikh Salih al-Fawzan, al-Sheikh al-Abbad, والشيخ عبد الرزاق العفيفي والشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ محمد أمان الجامي والشيخ حمد الأنصاري etc. 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 Tous nos savants contemporains, aucun ne fait partie de Jama'at al-Tablir. On en déduit donc que Jama'at al-Tablir n'a de lien ni avec les savants anciens ni avec les savants contemporains. Et un groupe qui n'a de lien ni avec les savants anciens, ni avec les savants contemporains, comment peut-il être dans la vérité ? Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Bal huwa ayatun bayyinatun fi sudur alladhina utul ilm » Ce sont des signes clairs et évidents qui résident où, autrement dit la vérité ? Allah Azza wa Jalla dit « Fi sudur alladhina utul ilm » dans les poitrines de ceux à qui Allah a accordé la science, autrement dit les savants. Sache que ce sont eux qui transportent la vérité dans leur poitrine. Et si un groupe ne comporte pas de savants et que les savants ne font pas partie de ce groupe, sache, chers frères en islam, que ce groupe est dévié et qu'il est loin, très loin de la vérité. Et ce groupe, Jama'at al-Tablir, a été fondé sur 6 piliers, ce qu'ils appellent As-Sifat al-Sitt. La première, c'est la bonne parole qui est La ilaha illallah. La deuxième, c'est le fait d'accomplir la prière en étant concentré et craintif. Le troisième de ces piliers est la science avec le rappel. Le quatrième de ces piliers est le fait d'être généreux avec les musulmans. Le cinquième qui est la sincérité et le sixième qui est le fait de sortir dans le sentier d'Allah. Ce sont ce qu'ils appellent ce fait au sit. Celui qui entend ces 6 piliers peut dire « Mais mashallah, ce sont des bonnes choses. Comment osez-vous contredire cela ?» La ilaha illallah, la prière, la science, le rappel, être généreux avec les musulmans, la sincérité et sortir pour appeler Allah. Comment osez-vous contredire ou critiquer
des personnes qui suivent ces six points? La réponse est, si seulement ils suivaient ces six points. Si seulement ces six points étaient appliqués et correspondaient à la réalité. Mais malheureusement, ce ne sont que des paroles trompeuses. Des paroles qui trompent justement les adeptes de ce groupe. Et pour prouver cela, on va commencer par le premier pilier, qui est la bonne parole, la ilaha illallah. Il n'y a de vraie divinité qui ne mérite d'être adorée qu'Allah. Comment est-ce que Jama'at al-Tablir explique Kalimat al-Tawhid, la parole d'unicité? Ils disent, il n'y a point de Dieu qu'Allah. Le seul qui donne la pourvoyance, c'est Allah. Le seul créateur, c'est Allah. Le seul gouverneur des cieux et de la terre, c'est Allah. Et ils disent également que la ilaha illallah signifie ikhraj al-yaqin al-fasid wa ihlal mahallahu al-yaqin al-sahih. C'est d'enlever du cœur la mauvaise certitude et de la remplacer par la bonne certitude. Point final. Voilà comment Jama'at al-Tablir explique la parole la ilaha illallah. Et celui qui réfléchit, qui médite sur cette explication, que c'est le fait de sortir la mauvaise certitude du cœur et de la remplacer par la bonne, on voit que cette parole n'a de lien qu'avec l'unicité de la Seigneurie, Tawhid al-Rububiyyah. Or, cette même unicité de la Seigneurie, les pires des polythéistes croyaient en cela. Al-Mushrikoun, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, attestaient et croyaient et avaient la certitude que Allah subhanahu wa ta'ala était leur créateur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala était leur pourvoyeur, qu'Allah azza wa jalla était le seul gouverneur. Ils en avaient la certitude. Mais ils adoraient d'autres divinités en dehors d'Allah. Comme le dit Allah Azza wa Jal, مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Nous ne les adorons, c'est-à-dire ces divinités, que pour qu'elles nous rapprochent plus d'Allah. Donc ils croyaient en Allah. Est-ce que cela a fait d'eux des musulmans? Bien au contraire. Cela a fait d'eux les pires des non-musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus. Et Allah Azza wa Jal, dans beaucoup de versets du Coran, atteste que les polythéistes croyaient en Allah. Comme le dit Allah Azza wa Jal, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Et si tu les questionnais, c'est-à-dire les polythéistes, qui a créé les cieux et la terre, et qui gère ou a mis à disposition le soleil et la lune, ils te répondront, c'est Allah. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, dans surat al-Zukhruf, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Et si tu les questionnais, qui les a créés, ils répondront, c'est Allah. Ce groupe de Jama'at al-Tablir, donc, n'appelle pas à la vraie unicité. Il n'appelle pas à adorer Allah Azza wa Jal seul, sans ne rien ne lui associer. Ils ne mettent pas en garde les musulmans contre le pire des péchés. Le seul qu'Allah Azza wa Jal ne pardonne pas si la personne meurt dans cet état, qui est le fait d'adorer une autre divinité en dehors d'Allah Azza wa Jal. Même si tu as la certitude, même si tu as la certitude parfaite qu'Allah Azza wa Jal est ton créateur, mais que tu ne l'adores pas, ou que tu adores autre que lui, sache que tu es considéré comme un polythéiste. Et on voit
dans ce groupe Jama'at al-Tabligh, beaucoup de contradictions avec le Tawhid. Comme on l'a vu, ce que faisait Mohamed Ilyas lorsqu'il allait se recueillir et méditer auprès de la tombe de Al-Kankouhi. Et la preuve la plus flagrante que ce groupe de Jama'at al-Tabligh n'appelle pas à l'adoration d'Allah seul sans rien ne lui associer, et qu'il ne lui accorde pas d'importance, c'est le fait qu'il y a à proximité de leur markez, de leur QG en Inde, à proximité de ce QG, il y a un endroit appelé Nizamuddin. Et c'est un endroit dans lequel les gens adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Un lieu plein de tombes que les gens visent et pour lesquels ils espèrent le bien, et ils espèrent que les habitants de ces tombes leur épargnent des mal, wal'iyadu billah, à proximité de leur QG. Si c'était des personnes qui appelaient à l'unicité d'Allah azawajal, ils commenceraient à balayer devant leur porte avant de parcourir les quatre coins du monde. Et dans leur livre, également, on constate qu'ils n'appellent pas à l'adoration d'Allah azawajal seul sans ne rien lui associer. Comme dans leur livre Tablir Nisab, qui est un livre que Jama'at al-Tabligh, un des fondateurs de Jama'at al-Tabligh, a écrit, et qui est destiné essentiellement aux non-arabophones. Et dans ce livre, qui a été traduit en toute langue sauf la langue arabe, un livre qui a été traduit en toute langue sauf en langue arabe. Pourquoi ? Pour que les savants ne prennent pas connaissance de tous les égarements qu'il contient et qu'ils ne mettent pas en garde l'ensemble de la communauté musulmane contre ce livre et contre ses adeptes. Mais, par la grâce d'Allah, des personnes ont traduit quelques passages de ce livre en arabe et les ont exposés aux savants qui ont condamné, et parmi eux Mohamed ibn Ibrahim al-Sheikh, le mufti d'Arabie qui a précédé al-Sheikh ibn Baz rahimahullahu ta'ala, qui au début avait parlé favorablement ou en faveur de Jama'at al-Tabligh. Mais lorsque la vérité lui a été apparue, rahimahullahu ta'ala, il est revenu sur sa parole et a mis en garde tous les musulmans contre ce groupe Jama'at al-Tabligh. Dans ce livre, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des directives, des conseils. Parmi ces conseils, dirige-toi devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dis: ô envoyé d'Allah, je te demande l'intercession. C'est l'associanisme ou le polythéisme même. Le fait d'invoquer autre qu'Allah. Tu ne dois invoquer personne en dehors d'Allah, ni un prophète, ni un ange, ni un saint, ni un vertueux, ni quoi que ce soit. Allah Azzawajal a dit: Udu'uni astajib lakum. Invoquez-moi et je vous répondrai. Ils disent: dirige-toi vers la tombe du prophète et dis: ô envoyé d'Allah, je te demande l'intercession. Donc tu invoques le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que l'invocation soit juste. Il faut dire: ô Allah, fais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercède en ma faveur. Pourquoi t'adresses-tu au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est une créature qui est morte sallallahu alayhi wa sallam et qui ne t'entend pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne t'entend pas quand tu lui parles. Pourquoi invoques-tu quelqu'un qui ne t'entend pas?
Dans ce livre également, il y a le fait ou un récit, le récit de Ahmed al-Rifa'i. Dans les années 600, était à Médine et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sorti sa main de sa tombe afin que Ahmed al-Rifa'i puisse l'embrasser. Et ceci sous l'œil de 80 000 personnes. Dans ce livre aussi, également, il y a le fait que la Kaaba, quelquefois, va chez certains vertueux dans l'endroit où ils se trouvent. Ce ne sont plus les gens qui vont vers la Kaaba, mais c'est la Kaaba qui va à eux. Et dans ce livre aussi, on y trouve des récits sur le fait que la Kaaba s'est plaint à Allah, s'est plaint à Jibril, et a parlé que l'un d'entre eux a entendu que la Kaaba a dit « Oh Allah, je me plains à toi, oh Jibril, je me plains à toi, les gens tournent autour de moi, mais sont distraits, ils rigolent, ils parlent. S'ils ne s'arrêtent pas, je tomberai pierre après pierre. » La Kaaba pour eux parle. Également, dans ce livre, Tablir et Nisab, il y a le récit d'un homme qui était à Médine et qui avait faim. Il avait tellement faim qu'il est parti devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, « Oh envoyé d'Allah, je suis ton invité. » Il dit, « Puis j'ai été pris d'une somnolence et j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam me donner un morceau de pain. Je l'ai alors mangé, j'ai mangé une partie de ce pain, puis je me suis réveillé et dans ma main il y avait l'autre morceau de ce pain. » Vous voyez que dans ce livre, qui n'est pas n'importe quel livre, c'est un livre reconnu chez Jama'at al-Tablir, un livre qui a été écrit pour que les gens suivent ses directives. Le deuxième pilier qui est d'accomplir la prière en étant concentré et avec humilité. Il faut savoir que Jama'at al-Tablir se base uniquement sur deux livres, ou trois si on compte Tablir et Nisan. Hayat al-Sahaba et Riyad al-Salihin. Hayat al-Sahaba qui a été aussi écrit par un fondateur également de Jama'at al-Tablir, la vie des compagnons si on traduit, qui est plein, rempli de fausses histoires. Au point que certains mashayikh ont dit que les deux tiers de ce livre sont faux. Et ils ont aussi, ou ils utilisent le livre Riyad al-Salihin de l'imam al-Nawawi, rahimahullah, qui est un des meilleurs recueils de hadith rassemblés, comme le disent les savants. Même s'il y a dans ce livre une cinquantaine de hadiths faibles qu'il faut prendre en considération, mais dans ce livre, ils ne prennent ou ils ne lisent que deux chapitres, les mérites du rappel et les mérites du Coran. Ils n'ont donc pas de livre sur lequel ils se baseraient pour apprendre la façon de prier du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Pour cela que celui qui côtoie Jama'at al-Tablir et qui connaît et qui les connaît verra qu'ils ne savent pas prier, ils ne prient pas comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils font énormément d'erreurs dans leurs prières. Et en fonction de l'endroit où ils se trouvent et du pays dans lequel ils vivent, ils prient selon le madhhab de ce pays. S'ils sont dans un pays qui suit le madhhab maliki par exemple, vous verrez l'établir prier comme al-madhhab al-maliki. Et on peut même constater des personnes qui sont restées des années, des années, des années au sein de ce groupe, qui prient comme priait son père, qui
qui prient comme priait son père, ils sont donc loin de faire la prière comme celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli » « Priez comme vous m'avez vu prier. » Quant à la science, avec le rappel « Al-ilmu ma'al-dhikr » il y a dans cette phrase une offense à la science. Le fait de restreindre la science uniquement au dhikr, au rappel. La science est bien plus vaste que cela. Al-ilm, la science religieuse, est bien plus vaste que cela. Pour cela que celui qui connaît Jama'at al-Tablir et les adeptes de ce groupe verra qu'il n'accorde pas d'importance à la science ni aux savants de l'islam. Il n'accorde d'importance ni à la science ni aux savants de l'islam. Et lorsque l'on discute avec eux et qu'on leur dit « Vous citez dans vos 6 bases à Sifat al-Sitt la science », ils disent « Oui, mais attention, il y a 2 types de science. Il y a ilm al-taqwa et ilm al-fatwa. Il y a la science de la piété et il y a la science de la fatwa. » Autrement dit, des jugements juridiques. Et ils disent, nous, la science qui nous concerne, c'est la science de la piété. Ce n'est pas la science de la fatwa. Ils disent aussi, la science est de 2 sortes. Il y a ilm al-aqlam wa ilm al-aqdam. Il y a la science de la plume et la science des pieds. Nous, c'est la science des pieds. Et les autres, c'est la science de la plume. Ils disent aussi, il y a la science, c'est ilm al-fada'il ou ilm al-masa'il. C'est la science des mérites et la science des jugements. Nous, la science qui nous intéresse, c'est la science des mérites. Quant à la science des fatwas, quant à la science de l'écriture, quant à la science des jugements juridiques, nous n'y accordons pas d'importance. Et il y a dans cela un rabaissement de la science et des savants. Car le but de cette différenciation ou de cette division de la science en disant la science de la plume et la science des pieds ou la science de la piété et la science de la fatwa, c'est pour dissocier les adeptes de ce groupe à la science et aux savants. Car s'ils apprennent la science et s'ils retournent aux savants, alors la vérité apparaîtra à grand jour. Et ils sauront que la voie qu'ils ont suivie n'est pas la bonne. Yani, ce sont des points étudiés à l'avance qui ont pour but de confiner les gens, de les mettre dans une bulle dans laquelle ils n'auront pas de relation avec le monde extérieur. Et ils donnent plusieurs métaphores. Ils disent, le savant est comparable à un puits. Qui va dans le puits? C'est celui qui a besoin de boire. Il va dans le puits, il jette son seau, il prend l'eau et il l'utilise. Et si personne ne va à ce puits, alors l'eau commence à pourrir et elle devient impropre à la consommation. Quant à nous, nous sommes comparables à la pluie qui profite à l'ensemble des gens. Quant à nous, nous sommes comparables à la pluie qui profite à l'ensemble des gens. Et ils disent aussi que la science, c'est pour cette vie d'ici-bas, et le khuruj, c'est pour la vie de l'au-delà. Regardez comment ils parlent des savants, en disant que la science, elle ne profite que dans cette vie d'ici-bas. Autrement dit, que les savants apprennent la science pour que
qu'ils aient une réputation, pour qu'ils aient un salaire, pour qu'ils puissent manger, boire, dormir et habiter dans des villas luxueuses. Quant à nous, le khuruj, nous espérons la récompense dans l'au-delà. Allah Azza wa Jalla n'a-t-il pas dit « Innama yakhshallaha min ibadihi l'ulama » que ceux qui, parmi les serviteurs d'Allah, craignent le plus Allah, ce sont les savants. Car plus tu apprends la science, plus tu connais ton Seigneur, plus tu connais la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus tu essaieras d'imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et plus tu auras peur, et plus tu auras de l'estime envers Allah subhanahu wa ta'ala. Quant au quatrième pilier chez eux qui est ikram al-muslimin, le fait d'être généreux envers les musulmans, ils sont en réalité généreux entre eux, ou généreux envers celui ou celle qu'ils espèrent amener avec eux. Mais par Allah, s'ils savent que tu es contre eux, s'ils savent que tu mets en garde les musulmans contre eux, ils ne seront pas généreux envers toi. Bien au contraire, ils peuvent en arriver à frapper et à torturer, comme le rapporte Taqiyuddin al-Hilali rahimahullah dans son livre sur Jama'at al-Tablir, où il rapporte l'histoire d'un frère en Belgique qui a été torturé dans un des QG de Jama'at al-Tablir. Il a eu peur de porter plainte, de peur de représailles. Et combien de frères ont été agressés par ces gens de Jama'at al-Tablir? Et même Cheikh Salim al-Hilali, un des élèves de Cheikh al-Albani, rahimahullah, raconte dans son livre « Al-Jama'at al-Islamiyya » que lorsque son livre est sorti, que le groupe de Jama'at al-Tablir, car il les a cités dans son livre, n'était pas content des critiques, ils ont d'abord refusé le débat, mais finalement ils l'ont accepté. Et Cheikh Salim al-Hilali est parti avec certains frères dans leur marquez afin de débattre sur les points sur lesquels il n'était pas d'accord. Et Cheikh était entièrement disponible pour traiter, pour répondre à leurs questions. Et lorsqu'il est arrivé, c'est Cheikh lui-même qui le raconte, et lorsque je suis arrivé, ils m'ont vu et ils ont dit « c'est lui ». Et ils sont venus et ont couru vers moi pour me frapper. Et si ce n'était pas quelques frères qui étaient là pour me protéger, pour me défendre, ils auraient eu ce qu'ils voulaient. Donc, la générosité envers les musulmans, ce n'est pas une réalité, mais ils sont plutôt généreux envers entre eux et généreux envers ceux ou envers les personnes qu'ils espèrent ramener à eux. Et on le voit, même personnellement, moi je le vois, des sourires qui, lorsque il voit ton visage, il s'assombrit. Alors que quelques secondes avant, il était souriant car il parlait à une autre personne. Donc il faut se méfier et ne pas être dupé par ces paroles qui ne sont pas traduites par des actes. Le cinquième pilier qui est l'ikhlas, qui est la sincérité. Quant à ce pilier, la sincérité, il faut dire une chose, c'est que effectivement on ressent et on peut constater que les adeptes de Jama'at al-Tablir sont sincères. Comme le disent certains mashayikhs, et la preuve c'est qu'ils n'appellent pas à des fonctions ou ils ne proposent pas aux gens des bénéfices à tirer de cette vie d'ici-bas, que ce soit de l'argent ou que ce soit des biens. Non, ils ne sont pas motivés par les biens de cette vie d'ici-bas. Ce qu'ils font donc, on peut en comprendre, et leurs intentions
seront jugés par Allah Azza wa Jalla, qu'ils sont sincères. Ou on sent d'eux qu'ils sont sincères. Mais est-ce que la sincérité suffit? Là est la question. Est-ce que le fait de faire une chose avec sincérité, avec la plus pure des sincérités, est-ce que cela suffit pour être dans la vérité? La réponse est non. Il faut que cette sincérité soit accompagnée du suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Car Allah Azza wa Jalla a dit: wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Waman ahsanu dinan. Y a-t-il une religion meilleure que celui qui s'est soumis ou qui a soumis sa face à Allah subhanahu wa ta'ala et qui a été bienfaisant? Et les savants ont dit qui a soumis sa face à Allah, c'est-à-dire qui est sincère, et qui est bienfaisant, c'est-à-dire qui accomplit de bonnes œuvres qui sont en totale concordance avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Azza wa Jalla dit aussi: فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Allah Azza wa Jalla dit également: celui qui espère la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse, qu'il accomplisse de bonnes œuvres et qu'il n'associe personne, hamukallah, et qu'il n'associe personne à son Seigneur. Qu'il accomplisse de bonnes œuvres, c'est-à-dire qu'il soit conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de n'associer personne à Allah, c'est-à-dire de faire cette adoration en totale sincérité. Ensuite, le sixième pilier, qui est pour eux le plus important, qui est al-khuruj fi sabilillah, le fait de sortir dans le sentier d'Allah. Le fait de sortir pour appeler à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala est quelque chose de bien et de recommandé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti, ainsi que ses compagnons radiyallahu anhum, pour appeler les gens à la religion d'Allah. Mais cette parole, le fait de sortir dans le sentier d'Allah, que disent jama'atut tablir, n'est pas conforme avec la façon de prêcher du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Car ils encouragent tout le monde, toutes les personnes à sortir, que tu sois ignorant, que tu sois que tu viennes de pratiquer la religion ou non, ils appellent tout le monde, absolument tout le monde, à sortir pour appeler les gens à l'islam. Et ceci est une énorme erreur. Ceci est une énorme erreur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé ses compagnons, ou certains de ses compagnons, pour appeler à l'islam, il a envoyé Ali radiallahu anhu tout seul. Il a envoyé Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu tout seul. Il a envoyé Mu'ad ibn Jabal tout seul. Ce sont des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avaient de la science. Le professeur Hassan n'a pas dit à ses compagnons: allez, que chacun sorte et qu'il appelle à l'islam. Non. Malgré que le besoin était ressenti au temps du professeur Hassan, l'islam venait d'être révélé au professeur Hassan. La plupart des gens n'étaient pas musulmans. Donc il y avait un besoin fort d'appeler les gens à l'islam et à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le professeur Al-Salam n'a envoyé de ses compagnons que ceux qui avaient la science. Comment est-ce que Jama'at al-Tablir procède dans leur khuruj fi sabilillah, comme ils le disent, le fait de sortir dans le sentier d'Allah? Ils disent que celui qui veut sortir, il doit marcher à pied. Et ça, je suppose que beaucoup d'entre vous ont dû le constater. Ils disent qu'il faut sortir à pied. Il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a vu un homme qui a fait le vœu de ne pas monter sur une monture. Il a fait le vœu de ne pas monter sur une monture et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de monter sur la monture. Amara man anzara an yamshi an yarkab. Il a ordonné à celui qui a fait le vœu de marcher à pied, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de monter sur la monture. Le fait donc de marcher à pied lorsqu'il y a une monture, de marcher à pied au point de se faire mal à soi-même, de marcher des dizaines et des dizaines de kilomètres en pensant que cela est une adoration d'Allah Azzawajal et en pensant que cela te rapproche d'Allah, sache que c'est une erreur. Et cela ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi wa sallam n'a-t-il pas fait le hajj sur sa monture? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait-il pas le tawaf sur sa chamelle? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cet homme « Inna Allaha ghaniyun an ta'zibi hadha nafsah » qu'Allah se passe du châtiment que cette personne se fait à lui-même. Le fait de marcher et de se faire du mal en marchant, en ressentant des douleurs, etc., cela ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien au contraire, cela fait partie d'une des voies des soufis, ou cela fait partie des actes du soufisme, qui les soufis auparavant sortaient dans les plaines et dans les vallées et dans les déserts. Ils sortaient à pied et ils disaient, celui qui prend avec lui des dirhams, alors il aura placé sa confiance dans ces dirhams. Celui qui part avec une monture, alors il aura placé sa confiance dans cette monture. Et il marchait. Certains mouraient de faim, d'autres mouraient de soif, d'autres étaient attaqués par des bêtes féroces, et d'autres étaient sauvés par des gens qu'ils avaient croisés dans leur chemin. Le fait donc de marcher en se faisant du mal à soi-même, et en considérant que cela fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il faut savoir que cela est faux. Ensuite, ils disent qu'il faut sortir 4 mois dans la vie, qu'il faut sortir 40 jours dans l'année, qu'il faut sortir 3 jours par mois. Tout ceci n'a pas de source et n'a pas d'origine, ni dans le livre d'Allah, ni dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils disent, comment dites-vous que cela n'a pas de sens ou n'a pas d'origine, alors qu'Allah azza wa jalla a dit dans le Coran, « Fasihu fil ardi arba'at ashhur » Parcourez la terre 4 mois dans Sourate At-Tawbah. La réponse est, lisez le verset qu'il y a avant. Et vous verrez à qui Allah Azza wa Jalla s'est adressé. Bara'atu min Allahi wa rasulihi ila alladhina 'ahadtum min al-mushrikin fasihu fil ardi arba'ata ashhur. Le désaveu d'Allah et de son prophète au polythéiste. فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرُ Allah Azza wa Jal ici s'adresse aux polythéistes en leur disant parcourez la terre 4 mois. Car au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des polythéistes qui avaient des pactes de non-guerre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'autres qui n'en avaient pas, et d'autres qui avaient des pactes temporaires. Et dans ce verset, Allah Azza wa Jal dit فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرُ C'est-à-dire, parcourez la terre, ô vous les polythéistes, en toute tranquillité, en toute sérénité, et cela pendant 4 mois. وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ Et sachez que vous n'affaiblirez pas Allah. Donc ici, c'est une autorisation où on ne devait pas les combattre pendant 4 mois. Où est le rapport avec le fait de sortir dans le sentier d'Allah pendant une durée de 4 mois, alors qu'ici Allah Azza wa Jal s'adresse aux polythéistes. Ils disent, les 40 jours, vous dites qu'il n'y a pas de base d'origine dans cela, dans le Coran, alors qu'Allah Azza wa Jal a dit dans sourate l'A'raf, وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً
Et nous avons donné rendez-vous à Moussa alayhi salam. 30 layla, un rendez-vous qui allait avoir lieu 30 nuits après. Puis Allah Azza wa Jal a rajouté 10 nuits, ce qui fait un total de 40. Ici Allah Azza wa Jal s'est adressé à Moussa alayhi salam en lui donnant un rendez-vous. Car Allah Azza wa Jal auparavant avait préservé et épargné les fils d'Israël, ceux qui ont suivi Moussa alayhi salam, de Pharaon et de ses tortures. Et Allah Azza wa Jal, pour combler de bienfaits les fils d'Israël, avait décidé de révéler et de leur révéler un livre qui est At-Tawrah. Et il a donné rendez-vous à Moussa alayhi salam 30 nuits, puis Allah Azza wa Jal en a rajouté 10, dont 40 nuits, pour que Moussa alayhi salam se prépare à ce rendez-vous. Et lorsque le rendez-vous est arrivé, Moussa alayhi salam est parti et a dit à son frère Haroun, وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. Prends le relais envers mon peuple et fais le bien et ne suis pas la voie des oppresseurs. Où est le rapport entre les 40 nuits, 40 jours de Jama'at al-Tabligh? Ils disent les 3 jours. Allah Azza wa Jalla dit: فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. Jouissez de vos biens dans vos demeures pendant 3 jours. La réponse est, cela a été cité dans le peuple de Salih, عليه السلام, qui a dit à son peuple, هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَعَقَرُوهَا. Salih alayhi salam a dit à son peuple Thamoud, cette chamelle est pour vous un signe d'Allah Azza wa Jal. Fadarouha ta'kul fi ardillah, laissez-la manger dans la terre d'Allah. Wa la tamassouha bisou, et ne lui faites pas de mal. Fayakhudhakum adhabun qarib, car si vous faites cela, un châtiment rapide viendra. فَعَقَرُوهَا, ils l'ont alors égorgé. Et Salih alayhi salam a dit, فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. Profitez et jouissez de vos biens dans vos demeures 3 jours encore. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire profitez des 3 jours qui vous restent à vivre avant que le châtiment d'Allah Azza wa Jal ne vienne vous atteindre. Et le châtiment est bien sûr venu au moment où Salih alayhi salam l'avait informé. Où est le rapport entre les 3 jours dans la maison et les 3 jours de Jama'at al-Tabligh? Vous devez vous en douter tous, il n'y en a absolument aucun. Et c'est là où on se rappelle la règle en islam qui est « Istadil thumma a'taqid, wa la ta'taqid thumma tastadil fatadil ». Regarde d'abord les preuves, puis crois. Et ne crois pas, puis recherchez les preuves, car tu t'égareras. Un musulman suit et adore Allah Azza wa Jal avec science. C'est-à-dire que avant de faire quelque chose, tu dois d'abord en avoir la preuve. Tu ne dois pas faire la chose, puis rechercher dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète, ce qui pourrait être une preuve de près ou de loin, et qui justifierait de près ou de loin l'acte que tu fais. Car en faisant cela, tu seras égaré. Et c'est ce qu'ont fait Jama'at al-Tabligh. Ils ont d'abord instauré, ou leur groupe a d'abord été instauré, puis ils ont recherché dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète, ce qui pourrait être une preuve et ce qui pourrait justifier les actes qu'ils font. Et cela est un moyen d'égarement évident. Il faut d'abord avoir la preuve, puis adorer. Ils ont al-jawlah. Qu'est-ce que al-jawlah? C'est le fait de sortir, appeler les gens après salat al-asr. Les appeler à assister au discours qui aura lieu à la mosquée après salat al-maghrib,
ce qu'ils appellent al-bayan. Mais cette jawla, ce n'est pas une sortie comme les autres. C'est une sortie qui doit suivre des règles bien précises et qui doit se faire d'une manière bien précise. Tout d'abord, il faut au minimum être trois. Il faut qu'il y ait al-amir, il faut qu'il y ait al-dalil et il faut qu'il y ait al-mutakallim. Il faut qu'il y ait l'émir, le responsable. Il faut qu'il y ait ad-dalil, c'est-à-dire celui qui connaît les lieux et celui qui connaît les gens, qui va pouvoir dire au groupe, voilà où il faut aller, voilà où il ne faut pas aller. Et al-mutakallim, celui qui parle. Sans oublier, bien sûr, celui qu'ils appellent ad-dinamo. Ad-dinamo, c'est la quatrième personne qui reste à la mosquée et qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala et qui fait des invocations et des rappels pour donner à ceux qui sont sortis la lumière. Pour donner à ceux qui sont sortis la lumière. Et celui qui reste à la mosquée doit se couvrir les yeux, il doit méditer, il doit être concentré, ne doit pas être distrait pendant cet acte extrêmement important, car de sa sincérité et de sa concentration en dépend le résultat de ses frères qui sont sortis. Et l'amir dit Assalamu alaikum, jama'a zarukum fi sabilillah. Yani, l'amir, il dit Assalamu alaikum, yani, quand ils arrivent chez des gens, nous sommes un groupe qui sont venus vous visiter pour Allah. Et le seul qui est autorisé de parler, c'est al-mutakallim. C'est celui qui a pour fonction de parler. Et avant de sortir, c'est-à-dire lorsqu'ils sortent, avant de parcourir les rues, ils se réunissent et invoquent Allah subhanahu wa ta'ala en groupe, afin qu'Allah les aide, les soutienne et qu'il leur facilite leurs tâches. Et beaucoup d'histoires à ce sujet, à savoir que des personnes qui n'ont pas entendu leur appel, puis ils se sont rendus compte que celui qui était à la mosquée pendant un certain moment était distrait et parlait avec un autre frère. Et c'est pour cela que leur jawla a échoué. Et il faut savoir que dans le Marquez, le QG de Jama'at al-Tabligh en France, qui est à Saint-Denis, il y a une personne, 24 heures sur 24, qui fait le rappel et qui invoque Allah pour l'ensemble des Jama'at, pour l'ensemble des groupes de Jama'at al-Tabligh de France. Chaque Jama'a a cette personne lorsqu'ils font la jawla, mais il y a celle aussi qui est là-bas H24 et yani, ils font cela à tour de rôle. Ils ont aussi la parole qu'ils disent après chaque prière, inna falahana wa najahana, que notre félicité et notre réussite est dans la suivi de la sunna du prophète sallam. Nous vous demandons de patienter après Salat Sunnah pour écouter des rappels ou des paroles de rappel, etc., etc. Tout ceci est une innovation. Il n'y a rien dans la Sunnah du professeur Hassan qui prouve cela. Et tous les tablirs dans les quatre coins du monde utilisent les mêmes paroles. Ils utilisent les mêmes paroles et le font au même moment. Ils considèrent que cela les rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est comme cela qu'il faut adorer. Or, le professeur Hassan ne l'a pas fait. Et Cheikh Al-Islam Al-Taymiyyah rahimahullah a cité dans plusieurs de ses livres une règle extrêmement importante en islam, qui est le fait que si une chose qui était existante au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait faire mais qu'il n'a pas fait, et que quelqu'un après lui vienne faire cette chose, sachez que cette chose est une innovation. Une chose qui était existante au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que la da'wah était existante au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Oui. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait la possibilité de dire à ses compagnons, lorsqu'ils sortent, de sortir au minimum trois, qu'il y ait l'amir, qu'il y ait le dalil, qu'il y ait le mutakallim, qu'il y ait la quatrième personne, et que lorsque il y a le bayan après le maghrib, etc. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait la possibilité de faire cela? La réponse est oui. Mais est-ce que le professeur Hassan l'a fait? La réponse est non. Donc celui qui fait ça, donc celui qui fait une chose qui
qui était présente au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il pouvait faire mais qu'il n'a pas fait, cela est une innovation. Il y a al-bayan, le fameux discours après salat al-maghrib, le discours tant attendu et tant convoité. Il est appelé al-bayan pas pour n'importe quelle raison, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ar-Rahman allama al-Qur'an khalaq al-insan allamahu al-bayan. Car Allah azza wa jalla a dit, le tout miséricordieux qui a enseigné le Coran, qui a créé l'être humain et qui lui a enseigné al-bayan. Mais ici les savants disent al-bayan ou un autre, c'est le fait de prononcer, de parler. Allah azza wa jalla a permis et a enseigné à Adam alayhi salam l'ensemble des mots, comme cela est cité dans surat al-Baqarah. Et dans ce bayan, il faut citer les six caractéristiques de Jama'at al-Tabligh. Al-Kalimat al-Tayyiba, la prière, etc., etc. Il ne faut pas sortir de ce contexte. Sauf si c'est pour parler de la certitude, de la foi, etc. Mais celui qui sort de ces directives, il est considéré comme avoir contredit et enfreint la règle. Et ils disent, lorsque celui qui fait le bayan a terminé et qu'il n'a plus rien à dire et qu'il y a encore du temps, alors il doit parler de l'ahwal. L'ahwal, c'est les faits de Jama'at al-Tabligh, comment est-ce qu'ils sortent, qu'est-ce qui leur arrive, etc. Et c'est là où on entend beaucoup de leurs histoires qui sont sans aucun doute erronées et que malheureusement beaucoup de gens croient des histoires qui font rire plus qu'autre chose. Et il y a des histoires qui, celui qui croit à ces histoires, et il y a celui qui arrive à croire à ces histoires, il faut qu'il revoie son coefficient intellectuel, al-haqiqa. C'est impossible de croire à ces histoires. Un groupe de Jama'at al-Tabligh qui sort, ils se retrouvent dans une jungle, ils sont entourés par des gorilles, et ils disent « Attendez, n'ayez pas peur, Allah est avec nous, faisons deux raka'at, ils ont fait deux raka'at, puis ils invoquent Allah Azza wa Jal, et en levant leur tête, ils voient que les gorilles aussi sont assis en train de pleurer et lever leurs mains. Un groupe de Jama'at al-Tabligh qui est parti dans un pays, ils ont dû prendre le bateau, ils ont donné tout leur passeport à un émir qui a pris ça dans sa sacoche, et une fois arrivé de l'autre côté de la mer, la sacoche est tombée dans la mer entre temps, ils sont arrivés, ils ont eu des problèmes avec les autorités, et ils ont dit attendez, on va aller au bord de la mer, on va faire deux raka'at, et Allah Azza wa Jal va nous faciliter, et c'est là qu'un énorme poisson sort de la mer, il ouvre sa bouche, et dedans il y a la sacoche, il raconte ces histoires. Je ne dis pas ça pour vous faire rire, mais c'est au contraire, ça doit nous faire pleurer. Que des personnes en arrivent à dire des paroles et des histoires comme celle-ci, et que des personnes y croient fermement, c'est très grave. Un groupe de Jama'at al-Tabligh qui est parti à l'aéroport pour faire un khuruj dans je ne sais quel pays, pendant leur prière, ils se sont fait agresser par des skins. Et l'un d'entre eux est tombé dans le coma, ils l'ont emmené à l'hôpital, etc. Et lorsqu'il s'est réveillé du coma, la première chose qu'il a faite, c'est « Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah ». Yani, il est sorti de sa prière. Alakul ihal. C'est pour cela que la science, comme le dit le Ibn Qayyim, c'est « Qala Allah, qala Rasuluhu, qala Sahaba ». La science, c'est « Allah a dit ». Le professeur Hassan a dit, les compagnons ont dit, c'est ça la science, ce n'est pas tel jama'a a fait ci, tel jama'a a fait cela, même si cela est potentiellement possible. Et cela fait partie de karamat al-salihin, karamat al-awliya, al-karamat, les gens de la sunna croient en al-karamat. Comme le dit Cheikh l'Islam Damien dans Al-Furqan, que si tu vois un homme marcher sur la terre, sur la mer, ou voler dans les airs, yani, applique sur lui le Coran et la Sunna. Et si tu vois que ses actes sont en concordance avec le Coran et la Sunna, sache que c'est un vertueux à qui Allah Azza wa Jalla a accordé un miracle et un bienfait.
Et si tu vois que ces actes sont en totale contradiction, sache que c'est un charlatan. Et parmi les particularités de ceux parmi les serviteurs d'Allah à qui Allah Azza wa Jal a accordé des miracles et des faits extraordinaires qui, comme je le dis, sont possibles et ont déjà eu lieu à plusieurs reprises, ce ne sont pas des personnes qui le disent. C'est des personnes qui gardent cela pour eux. Et je mets à t'établir, non seulement cela est faux, non seulement ils ne le gardent pas pour eux, mais en plus ils disent cela pour égarer les gens. Et ils n'hésitent pas à mentir pour cela. Wal'iyadu billah. Et ils ont beaucoup d'ambiguïté qu'ils apportent. Celui qui parle avec eux, qui discute avec eux, et ici une petite parenthèse que je veux ouvrir, c'est le fait que beaucoup d'entre nous, parmi les gens à qui Allah Azza wa Jalla a accordé de suivre la vérité, de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup ne se comportent pas avec ceux qui ne sont pas dans la voie droite. Beaucoup se comportent comme ils ne devraient pas se comporter. On peut entendre quelquefois des personnes dire non, il fait partie de Jama'at al-Tablir, je ne lui parle pas, je ne lui adresse pas la parole, je ne le conseille pas, je ne lui souris pas, etc. etc. Cela est une erreur. Je m'explique. Il y a, où les salafs ont parlé de hajr al-mubtadi', le fait de s'éloigner des gens de l'innovation, de ne pas les côtoyer, de peur que l'on soit influencé par eux, ou de peur qu'ils mettent en nous une ambiguïté que l'on pourra difficilement enlever. Et beaucoup de paroles de salaf à ce sujet, si yani, des salaf ou des gens de l'innovation venaient à eux pour leur dire « Est-ce que je peux lire sur toi un verset du Coran ?» Il dit « Non. Est-ce que je peux lire sur toi au moins un hadith du prophète sallam ?» Sûrement le lire. Il disait « Non. » Il insistait et parmi les salaf, il disait « Soit tu pars ou soit c'est moi qui pars. » Il faut comprendre envers qui on doit avoir un tel comportement. On doit avoir un comportement comme celui-ci, c'est-à-dire s'éloigner des gens de l'innovation, des gens de l'innovation qui appellent à leur innovation, des gens de l'innovation qui ont reçu le conseil, à qui on a montré la vérité de la meilleure des façons, et qu'ils ont refusé et persistent dans leur égarement et appellent les gens à cet égarement. Celui-là, effectivement, il faut en éloigner le plus possible. Mais ce petit jeune, le miskin, qui, il y a 3 jours, rôdait dans les rues et se retrouve du jour au lendemain avec Jama'at al-Tablir, il ne connaît ni Jama'at al-Tablir, ni le fondateur, ni ce qu'ils font. Lui, il considère qu'il est dans le bien, il se sent bien, il passe ses journées à la mosquée, etc., etc. Et parfois même, et souvent maintenant, Jama'at al-Tablir font des lavages au cerveau et disent à ces jeunes, regardez le bien dans lequel nous sommes. Nous sommes dans la mosquée toute la journée, nous apprenons le Coran, nous lisons les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous faisons le dhikr, les du'as, etc. Regardez, et vous êtes ici, et vous n'espérez ni aucun bien de cette vie d'ici-bas, ni argent, ni bien. Vous ne voulez dans cela que la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais attention, vous allez trouver des gens dehors qui vont vous dire que ce que vous faites n'est pas bien, qui vont vous dire que ce que vous faites est une innovation. Ils ne vont pas vous adresser la parole. Vous les verrez, ils ont les visages crispés, ils vous considèrent comme des non-musulmans, etc. etc. Ce petit jeune miskin qui va sortir et qui va voir en face de lui des gens qui ne lui adressent pas la parole, qui ne lui parle pas, etc. Qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire « Ah, c'est ceux-là dont on m'a mis en garde, ceux qui disent qu'on est des mécréants, etc. etc. » Et il va le voir, cette idée. Et plus les choses vont rester ainsi, et plus il sera réconforté dans ses idées. Mais si la personne va vers lui, et parle avec lui avec gentillesse, lui explique la sunna du prophète sallam, comment est-ce qu'il faut faire la da'wah, etc., etc., en lui expliquant qu'il ne veut que son bien, qu'il ne veut lui aussi ni argent, ni quoi que ce soit, mais qu'il veut seulement la guider de son frère, et qu'en aucun cas il le considérait comme un non-musulman. Que va faire ce jeune? Il va dire, mais attends, c'est pas ce qu'on me dit, moi.
il faut que je revoie ma copie. Ainsi, il faut appeler à l'islam. Et ceux qui disent non, il ne faut absolument pas parler avec eux, à partir du moment où il sort avec eux, il fait partie d'eux, donc on ne lui parle pas, on ne lui adresse pas. On va dire, Akhi, comment veux-tu qu'il revienne ? Comment voulez-vous que ces gens reviennent à la vérité si personne ne vient leur montrer et ne vient leur expliquer ? Comment ? Sauf si Allah Azzawajal le guide par sa grâce et par sa miséricorde. Mais peut-être que toi, tu faisais partie de Jamaat al-Tabligh et que quelqu'un est venu te montrer la vérité, et c'est pour cela que tu es revenu au droit chemin. Et si cette personne n'était pas venue, tu serais sûrement, wallahu a'lam, dans cet égarement, wa la yadu billah. Ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a guidé par leur intermédiaire beaucoup de gens. Comment osez-vous parler sur eux alors que beaucoup de gens qui buvaient de l'alcool, qui ne faisaient pas la prière, etc., etc., grâce à eux, sont rentrés dans la religion? La réponse est que le fait que des personnes guident d'autres personnes à la vérité, cela ne veut pas dire que cette personne est bien ou qu'elle est mal. Tout dépend de la voie qu'elle suit. Et la preuve est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit « Il viendra le jour du jugement, un prophète qui viendra avec 3 à 9 personnes avec lui. D'autres prophètes qui viendra avec un homme ou deux. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Et viendra le prophète avec qui il n'y aura personne. » Autant dans le jour du jugement, lorsque les communautés seront présentes et passeront devant Allah subhanahu wa ta'ala, il y aura des prophètes qui seront tout seuls. Personne ne les aura écoutés. Personne ne les aura suivis. Est-ce que ça veut dire que ce prophète est mauvais ? Est-ce que ça veut dire que ce prophète n'a pas fait son travail comme il le fallait ? Hasha wa kalla. Bien au contraire, si c'est un prophète, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi et qu'il faisait partie des meilleurs de son époque. Donc, le fait de guider les gens n'est pas forcément une preuve que tu es dans la voie droite. Et plus encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans Sahih al-Bukhari Muslim, Inna Allah yu'ayyidu hada ad-din bir-rajul al-fajir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le Bukhari Muslim qu'Allah subhanahu wa ta'ala soutient cette religion par un homme pervers. C'est un homme pervers, mais par son intermédiaire, Allah soutient la religion. La preuve que celui qui guide les gens n'est pas forcément quelqu'un, yani celui qui guide les gens n'est pas forcément quelqu'un de bien. Yani le contexte de ce hadith, yani même si là le temps presse, mais ceux qui veulent revenir reviennent à ce hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Mais pour résumer de façon brève, c'est un homme qui a combattu avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a tué beaucoup de polythéistes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna hada min ahli an-nar, que lui fait partie des gens de l'enfer. Puis les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont vu que cet homme et combattait avec force et courage, et il a été tué. Dans d'autres versions, il a d'abord été blessé. On a dit au professeur Sam qu'il a été tué, le professeur Sam a dit il fait partie des gens de l'enfer. Et les compagnons ont dit oh, en voyant, il n'a pas été tué, mais il est gravement blessé. Puis, il n'a pas résisté à la douleur de ses blessures et a pris une épée et se l'est planté. Il s'est ainsi suicidé. Et les compagnons du professeur Al-Salam sont venus le voir en disant envoyé d'Allah, il est mort. Et il sait, voilà ce qu'il a fait. Et le professeur Al-Salam a dit Ushhidullah anni abdullah wa rasuluh. Je prends Allah comme témoin que je suis le serviteur d'Allah et son envoyé. Et c'est là où le professeur Al-Salam a dit Inna Allah yu'ayyidu hada ad-din bir-rajul al-fajir. Autrement dit, que cet homme a combattu et a tué beaucoup de polythéistes, qu'il a soutenu la religion par son combat, mais sa finalité est qu'il fera partie des gens de l'enfer. Wal'iyadu billah. Ils disent aussi que nos intentions sont bonnes et nous ne voulons que le bien.
Nos intentions sont bonnes et nous ne voulons que le bien. Et là, on revient à la sincérité dont il parle. Et comme on a vu qu'il fallait suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour illustrer cela de façon plus claire, il y a le athar de Abdullah ibn Mas'ud que certains, beaucoup d'entre vous, ont peut-être déjà entendu. Le athar de Abdullah ibn Mas'ud rapporté dans Sunan ad-Darimi, où des gens faisaient des cercles dans la mosquée. Et à la tête de chaque cercle, il y avait un homme qui disait « Dites Subhanallah 100 fois, dites Allahu Akbar 100 fois, dites Alhamdulillah 100 fois. » Et les gens comptaient avec des pierres, les tasbih, les tahli, les takbir. Et Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, est rentré dans la mosquée et a dit « Waylakum, malheur à vous, comptez plutôt vos mauvaises actions, uddu sayyatikum. Voilà ou voici les ustensiles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne sont pas encore cassés. Voilà ses vêtements qui ne sont pas encore usés. Et voilà autour de vous ses compagnons qui sont encore vivants. Soit vous êtes dans une voie qui est meilleure que la voie de Muhammad, ou bien alors vous avez ouvert une porte vers l'égarement. » Et ils ont dit, par Allah, O Abu Abdurrahman, qui était la cunyade d'Abdullah ibn Mas'ud, Ma aradna illa al-khayr. Nous ne voulons que le bien. Si nous nous réunissons de la sorte dans la mosquée, en faisant ce dhikr, en faisant ce nombre bien précis, nous ne voulons que le bien et nous rapprocher d'Allah. Et Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, a dit, Wa kam min muridin lil-khayr la yusibuh. Et combien de personnes qui veulent le bien mais qui ne l'atteignent pas. Combien de personnes veulent le bien, sont sincères, mais ce qu'ils font n'est pas conforme. Et le fait que cela soit sincère et qu'ils veulent le bien ne justifie pas leur acte et ne fait pas de leur acte un acte pieux. Bien au contraire, c'est un acte rejeté. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Man amila amalan laysa alayhi amruna » Celui qui fait un acte sans qu'il y ait notre commandement, fahuwa rad, il est rejeté, c'est-à-dire qu'il n'est pas accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent également, lorsque l'on sort avec Jama'at al-Tablir, on ressent une foi qui augmente, on ressent une douceur dans le cœur, on ressent une sensation qui est très paisible. La réponse est, supposons que cela est vrai. Cela est sans aucun doute une ruse du diable. Car le diable fait en sorte que l'innovateur ressent un bien-être, ressent sa foi augmentée pour qu'il persiste dans son égarement. Les soufis, vous pensez qu'ils ne ressentent pas de bien-être quand ils font leur rappel, quand ils font leur méditation? Ou même partir plus haut, le yoga qui est du shirk billah. Ceux qui font le yoga ne ressentent-ils pas de bien-être? Bien sûr, mais cela est une ruse du diable pour qu'ils persistent dans leur égarement. Et dans Sunan Abi Daoud, Zainab, la femme de Abdullah ibn Mas'ud, avait mal à l'œil. Et elle allait chez un juif qui lisait sur elle, et lorsqu'il lisait sur elle, elle sentait que l'état de son œil s'améliorait. Elle avait plus mal. Et Abdullah ibn Mas'ud a condamné son acte. Et elle a dit, mais quand je vais chez lui, je n'ai plus mal. Et Abdullah ibn Mas'ud a dit, c'est un diable qui est dans ton œil et qui te fait mal jusqu'à ce que tu ailles chez ce juif. Il arrête de te faire mal et tu penses que tu es guéri alors que tu ne l'es pas. Et les salafs aussi rapportent cela dans leurs livres. Comme Al-Imam Ibn Battah dans son livre Al-Ibana et Al-Imam Al-Harawi dans son livre Zammul Kalam. Ils disent que le diable fait en sorte que la personne ressente une douceur, ressente un bien-être lorsqu'il est dans son innovation. Et celui qui suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui suit les directives d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aura pas besoin de tout cela.
Si on ne ressent pas toutes ces sensations, c'est à cause de nos péchés. C'est à cause de nos désobéissances. Si notre cœur a durci, c'est parce qu'on n'a pas suivi l'islam comme il le faut. Allah Azza wa Jalla n'a-t-il pas dit « لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله » Si nous avions révélé ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier par la crainte d'Allah. Une montagne, s'humilier, fondre devant le Coran. Donc celui qui suit la sunna du prophète sallam et suit les directives n'a pas besoin de faire ce genre de choses pour adoucir son cœur. Abu Bakr radiallahu anhu n'était pas un soufi, il était encore moins un tabléri, mais lorsqu'il priait, il ne pouvait pas prier à cause de ses pleurs. Radiallahu anhu. Donc, si les personnes ressentent cette dureté, il faut la remédier, non pas avec l'innovation, mais avec la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et ils disent aussi que vous critiquez Jama'at al-Tablir, mais vous n'êtes jamais sorti avec eux. Comment pouvez-vous critiquer une chose alors que vous ne la connaissez pas? La réponse est effectivement, celui qui juge quelque chose, il doit la juger en parfaite connaissance de cause. Comme le disent les savants, Al-hukmu ani shay far'un an tasawwuri. Le fait de juger une chose, eh bien, implique le fait de bien la comprendre et de bien la schématiser. Mais est-ce que le fait de juger une chose et de la comprendre, est-ce que le fait de la comprendre veut dire qu'on doit la faire par nous-mêmes? Est-ce que pour comprendre une chose, je suis obligé de la faire par moi-même? La réponse est non. Il suffit qu'une personne de confiance t'apporte une information pour que tu l'acceptes. Et si l'on disait cela, alors les savants n'auraient pas le droit de répondre aux questions liées aux monstrues et aux lochis, car eux ne connaissent pas les monstrues et les lochis. Donc le fait que des personnes de confiance t'apportent une information, cela suffit pour faire un jugement ou pour en baser un jugement. Allah Azza wa Jalla dit « Ya ayyuha alladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in » Ou vous qui avez cru, lorsqu'un pervers vous apporte une information, alors yani, vérifiez-la. Et l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, dans son tafsir, a dit, on comprend de cela, que si une personne de confiance vient nous rapporter une information, que nous n'avons pas besoin de la certifier. On doit vérifier l'information qui émane d'un pervers. Cela veut dire que nous n'avons pas besoin de vérifier l'information qui provient d'une personne de confiance. Et tout ce que j'ai dit sur Jama'at al-Tablir, ce ne sont pas une, deux, trois personnes de confiance, mais des centaines et des milliers de personnes de confiance qui rapportent ces faits. Ce sont même Jama'at al-Tablir eux-mêmes qui avouent cela. Et c'est aussi des personnes qui avant étaient avec ce groupe et qui sont revenues. Certains sont restés 8 ans, comme Cheikh Saad al-Hussein, comme le cite Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah, il est resté 8 ans avec eux. D'autres qui sont restés 5 ans, Aïd Sherifi, en Algérie, est resté, je crois, plus de 12 ans avec eux. Et ce n'était pas n'importe qui, c'était leur tête. C'était leur tête. Et il est revenu à la vérité, walhamdulillah, à la voie droite, et met en garde contre eux. Et il fait partie maintenant, après avoir fait partie des personnes qu'ils aimaient le plus, fait partie maintenant des personnes qu'ils détestent le plus. Aïd Sherifi est détesté par Jama'at al-Tablir, car il connaît tous leurs secrets. Il connaît toutes leurs innovations, car il était à leur tête pendant plus de 10 ans. Ils disent aussi que pourquoi nous critiquez-vous alors que nous sommes extrêmement nombreux? Et certains même disent alors que nous faisons partie parmi les groupes musulmans, Al-Jama'at al-Islamiyya, celles qui ont le plus d'adeptes ou celles dont les personnes suivent le plus.
La réponse est, supposons qu'effectivement, vous faites partie de ces groupes musulmans qui sont suivis par la plus grande majorité des musulmans, même si cela n'est pas vrai. Mais supposons que cela soit vrai. Est-ce que la quantité est une preuve d'être dans la vérité? Est-ce que le fait d'être extrêmement nombreux, d'être des millions et des milliards, prouve que l'on est dans la vérité? La réponse est non, et mille non. Et plus encore, Allah Azzawajal n'a jamais fait l'éloge de la grande quantité dans son livre. Bien au contraire, il l'a condamné et il l'a méprisé. Allah Azzawajal a dit « Wa in tuti' akthara man fil ard yudilluka 'an sabilillah ». Et si tu suis la plupart des gens sur terre, ils te guideront ou ils te dévieront. Ils te dévieront du sentier d'Allah. Ils te dévieront du sentier d'Allah. Et Allah Azzawajal dit dans plusieurs versets du Coran: ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يشكرون ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. Mais la plupart des gens ne savent pas, mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants, mais la plupart des gens ne sont pas croyants. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala فأبى أكثر الناس إلا كفورا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. La plupart des gens s'obstine à être mécréant. Dans Surat Al-Isra, la plupart des gens s'obstinent à être mécréant. Donc, la grande quantité n'a jamais été une preuve d'être dans la vérité, ou n'a jamais été une preuve de bien. Et comme on l'a vu précédemment, il y aura le jour du jugement des personnes ou des prophètes qui viendront seuls, sans que personne n'ait cru en leur message. Et Allah Azzawajal, bien au contraire, a fait l'éloge de la petite quantité. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Et très peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, concernant Hud, وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Et ceux qui ont cru ou n'ont cru en lui que très peu. Très peu ont cru en Hud, alayhi salam. Donc ces quelques ambiguïtés que j'ai listées, mais bien sûr il y en a beaucoup d'autres, et à chacune de leurs ambiguïtés, il y a une réponse. Comme l'a dit Cheikh Al-Islam Tamiya, les gens de l'innovation qui utilisent des preuves, dans cette même preuve, il y a une preuve contre eux. Dans cette même preuve, il y a une preuve contre eux. Donc le conseil que l'on dirige à nos frères de Jama'at al-Tablir, c'est de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, de revenir à la vérité, de revenir à la raison, d'ouvrir leurs yeux, leurs oreilles et d'ouvrir leur cœur aux frères et aux sœurs qui leur adressent des conseils et qui ne veulent que leur bien. Par Allah, nous ne voulons que leur bien, nous ne voulons que leur guider. Et tout ce que l'on a dit, ce n'est pas pour parler en mal sur eux ou sur leurs intentions, mais c'est pour qu'ils écoutent les paroles de vérité. Et ceux qui ne les suivent pas, c'est pour qu'ils, que cela soit un rappel aussi pour eux de connaître le mal et de connaître le bien. Comme l'a dit Al-Sha'ir, عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. Tu connais le bien du mal, non pas pour le mal, mais c'est pour ne pas y tomber. Et celui qui ne différencie pas le bien du mal tombe dedans, c'est-à-dire dans le mal. Donc, il est important aux musulmans de connaître le bien, mais de connaître aussi le mal pour s'en préserver et pour ne pas en être la victime. Donc, le conseil que l'on dirige à nos frères, c'est de craindre Allah Azzawajal et de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ne pas être adepte de ce groupe qui est, en toute franchise, un groupe innové. Et les savants de l'islam, à notre époque, ont mis en garde contre le fait de sortir avec ce groupe, Cheikh Ibn Baz, même si certains disent que Cheikh Ibn Baz est pour, oui, il était, il disait au début que, il disait du bien de Jama'at al-Tablir, mais Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, est revenu et il a une dernière fatwa qui met en garde contre Jama'at al-Tablir, Cheikh Ibn Uthaymeen, Cheikh Al-Albani, Cheikh Abdurrazzaq Al-Afifi,
Cheikh Al-Rudayan, Cheikh Al-Fawzan, les savants, tous les savants de l'islam des quatre coins du monde ont mis en garde contre Jama'at al-Tabligh et ont montré leur égarement et le fait qu'ils ne sont, ils n'y suivent pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Il y a dans cela un rappel pour celui qui est doué d'intelligence. Il y a dans cela un rappel pour celui qui est doué d'intelligence, en conseillant nos frères de revenir à la vérité. Et j'allais dire à nos frères et sœurs, mais oui, il faut dire maintenant à nos frères et sœurs, car malheureusement, les sœurs aussi sortent fi sabilillah. Il y a maintenant aussi le khuruj pour les femmes. Cela n'est pas restreint aux hommes, mais aux femmes maintenant. Donc on dit à nos frères et sœurs de revenir à la raison, de revenir à la vérité et de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'est la seule voie qui pourra apporter leur félicité et leur victoire, et le fait de persister dans l'innovation en pensant que cela les rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, même s'ils se sentent bien, etc. Il faut qu'ils cassent cette sensation et il faut qu'ils demandent la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le diable, car en persistant, ils penseront qu'ils se rapprocheront d'Allah azza wa jal, mais bien au contraire, ils s'en éloigneront. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala an yurina al-haqqa haqqan wa an yarzuqana ittiba'ah wa an yurina al-batila batilan wa an yarzuqana ijtinabah. Nous demandons à Allah azza wa jal de nous montrer la vérité et de la suivre, et nous demandons à Allah azza wa jal de nous montrer le mal et de nous en abstenir. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.